speaking. Everyone's love remembrances. I Là, je suis allée offrir Bok à Baba en apportant tous vos souvenirs et votre amour. Baba, avec beaucoup d'amour, donnait le drishti. Il nous donnait le drishti à chacun. Et pendant quelques moments, j'ai dit, Baba, j'ai apporté Bok au nom des âmes. Donc, au nom des âmes pour elle-même et aussi pour Ishudadi. Et Baba a donné le bog aux âmes et aussi à Didi. Baba dit, en ce temps-ci, qu'est-ce que vous demanderiez à Baba de vous donner? J'ai dit, oui, Baba, nous demandons tant de choses, mais en ce moment précis, Baba dit, vous avez besoin du pouvoir de la foi. Chacun de vous a besoin du pouvoir. Parce que lorsque vous avez le pouvoir de la foi, vous pouvez vous aider vous-même et aider les autres. Et deuxièmement, Baba dit, d'avoir un esprit très, très paisible, tranquille, un esprit tranquille, paisible. Baba dit, c'est votre propre force aussi. Donc, le pouvoir de Baba aussi. Donc, votre propre force, le pouvoir de Baba, parce qu'il y a beaucoup de pression avec les situations, les opinions, les circonstances. Vous allez entendre tant de choses. Mais Baba dit, vous ne devriez rien prendre avec de la pression, afin que votre esprit demeure paisible, mais aussi que votre intellect reste connecté avec Baba. Aujourd'hui, c'est le jour du Sadhguru. En tant que Sadhguru Baba, Baba, il est le professeur, mais en tant que Sadhguru Baba, non pas seulement que Baba nous rend digne, mais il donne beaucoup, beaucoup de bénédictions à chacun. Mais rappelez-vous, chacun and that is only possible, Baba said, when your energy, that means your thought. Pas vraiment compris, mais il disait que votre énergie devrait rester toujours sato-guni. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vienne altérer l'esprit, les désirs pour le soi, des désirs qui ne sont pas altruistes. L'énergie sato-pradane. Lorsque vous avez cette énergie, cette pradhana, Baba est capable de vous donner beaucoup de bénédictions et que toutes les âmes sont immortelles. Il n'y a que quelques âmes ou peu d'âmes qui sont fortunées d'avoir cette connaissance, de savoir quelle est ma destination. Parce que toutes les âmes doivent voyager, mais nous connaissons notre destination. Alors, il n'y a pas de frontières à ce moment-ci. Il a dit de nous souvenir non seulement de notre immortalité, mais aussi de notre destination finale. Et ensuite, Baba dit pour Ishudadi,
qu'elle était très stable dans diverses situations, tout en réglant des comptes karmiques. Elle est restée très, très stable. Donc, parce qu'elle était stable, c'était plus facile pour Sadhguru Baba de faire pleuvoir les bénédictions sur elle. Donc, il a dit, va, dis aux anges que si vous avez des peurs ou si vous avez des inquiétudes, rappelez-vous toujours que l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, nous sommes accueillis avec par Baba. Et que les âmes récoltent le fruit de leurs actions avec du contentement et tout cela, vous allez être capable de le savoir. Et ensuite, Baba a donné beaucoup d'amour et de souvenirs pour chacun de nous. Donc, Didi va répéter en hindi. भगवान का इस समय हर एक भगवान से क्या मांगते हैं कोई कहेगा स्वास्थ्य दो कोई कहेगा उसको ठीक परंतु इस समय तो सबको शक्ति की जरूरत है तो दो तरह की शक्ति है अपनी निश्चय बुद्धि का बल और दूसरा अपना शांत मन रखने से जो अंदर की भगवान का आंतरिक शक्ति है तो स्वयं की शक्ति और बाबा की शक्ति के मदद से जो बहुत अभी टेंशन और प्रेशर बढ़ता है बढ़ेगा जिसमें हर एक की अपनी अपनी राय होगी परिस्थितियां होंगी कई तरह की बातें आएंगी परंतु उन सब का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और अपना निश्चय बुद्धि होके निश्चय का बल अपने पास रखो तो बाबा ने कहा कि देखो आत्मा तो अजर अमर है पर कईयों को मालूम है कईयों को नहीं मालूम है तो हर एक को इस समय पर अजर अमर आत्मा भी है और उसके साथ साथ मंजिल क्या है घर और मंजिल दोनों का मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना बताना बहुत जरूरी है तो बेशक बाहर की परिस्थिति अनुसार आत्मा ने कैसे भी शरीर छोड़ा लेकिन आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो उसको उसके श्रेष्ठ कर्म उसके श्रेष्ठ गुणों उन सब के आधार से परिवार का प्यार एक अपने ही तरह का अनुभव होता है तो इसलिए परिवार को जिस तरह से शरीर छोड़ा उस परिस्थिति का नहीं सोचना चाहिए लेकिन आत्मा के बारे में सोचना चाहिए यीशु दादी के लिए बाबा ने कहा बहुत बहुत एकदम स्थिर था मन उनका इसलिए वो सदा ही बाबा से शक्ति लेती रही और उसके आधार पर वो अच्छे एक अच्छा एग्जाम्पल रही फिर बाबा ने याद प्यार दी सारे सेवाधारियों को जो भी है कविता बहन आदि को ओम शांति Om Shanti, welcome. Om Shanti, c'est Bhumika. Bienvenue à Bhakti Pariva. Aujourd'hui, c'est l'étape 13, l'histoire de l'immortalité, la création vivante de l'arbre du monde. Donc, à la découverte de la graine présentement, Mohini va nous parler.
Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. It's a very, very common concept. C'est un concept très répandu que l'âme est immortelle. Et les gens dans les écritures, dans la Gita ou dans plusieurs autres écritures, c'est aussi mentionné. Mais autour de cela, il y a beaucoup d'autres concepts, comment est-ce qu'elle quitte le corps, qu'elle émerge dans la lumière. Il y en a qui croient que ce n'est qu'un seul voyage. Mais hier, nous avons entendu le cycle du temps qu'il tourne et nous avons entendu aussi à propos, entendu des principes sur l'immortalité. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que maintenant, c'est le temps, c'est la fin du vieux cycle et le début du nouveau, et que ce temps est appelé l'âge de confluence. C'est comme une porte de sortie du cycle, même si personne ne peut vraiment sortir du cycle, parce qu'il y a toujours comme l'action-réaction, naissance après naissance, donc ça continue. En hindi, on l'appelle chakra, donc ça veut dire qu'on continue de tourner. Et à l'âge de confluence, nous connaissons la porte de sortie. Il y a une façon, lorsque je change ma vie, de la conscience du corps, la conscience d'âme, je change mon attitude et mes actions. Et je garde aussi le but de régler tout ce qui reste encore là et de créer, d'imprégner des vertus divines, donc de créer des actions élevées, de créer ma fortune élevée. Donc, ce temps de transition est très important. Et de savoir aussi que dans cette transition, je change de vieux en neuf, mais je ne vais pas directement dans la nouvelle. Mais il y a une autre transition par laquelle je vais passer par la maison en sortant du cycle. Les gens disent qu'ils veulent la libération. Ils ne veulent pas revenir. Ils l'appellent moksha. Donc, il dit, je veux justement partir et me fondre. Ils ne veulent pas revenir dans le monde physique, mais que là, nous savons qu'elle est immortelle. Nous allons devoir revenir. Mais ce qui est dans notre corps présentement, c'est que je dois retourner à la maison. Je veux retourner voir Baba. Il n'y a pas de peur. Cela ne crée aucune peur. Et je dis immédiatement, qu'est-ce que je dois faire? Prendre mon corps de lumière et aller à ma maison, dans ma maison, aller voir Baba. Parce que je sais où je m'en vais, spécialement en ce temps-ci. Alors, il n'y a aucune peur. Je sais que je suis immortel, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui vient après? Alors, Baba nous a donné la connaissance à propos de notre maison originelle et aussi, c'est comme les cinq éléments, il y a le sixième élément de la lumière. Il y a les cinq éléments et le sixième élément de la lumière. Et toutes ces qualités que nous devons nous imprégner avant de retourner à la maison, donc c'est la pureté. Là-bas, c'est la pureté complète, c'est le silence. C'est très, très paisible. Alors, ce que je dois faire avant de retourner à la maison, alors mon but, c'est la pureté complète. Toutes les traces des sanskars, les vices sous forme de sanskars, tout doit être brûlé. Alors, cette pureté m'aide à rester connectée avec la maison.
Il y a du silence, le silence total là-bas. Il y a la paix, donc c'est un monde paisible, un monde de paix, un monde de silence. Donc, ces qualités, à ce moment-ci, avant d'aller à la maison, je dois en devenir l'incarnation d'une façon très naturelle. Ou si je vais quitter ce corps, mais l'endroit où je vais, je retourne à la maison. Parce que c'est le drama. Donc, je quitte mon costume et je retourne à la maison dans la... Et ce qu'il y a dans l'esprit, donc ce n'est que je quitte ce costume, donc je ne suis pas triste. Donc combien de temps pouvez-vous jouer encore? Tout doit se terminer, mon rôle doit se terminer, donc je change de costume. Et Baba nous a aussi donné la connaissance que lorsque vous retournez, on doit y retourner avec notre costume angélique. Donc, on laisse nos vieux vêtements, prendre notre costume angélique et on y retourne. Et ensuite, lorsqu'on va revenir, on reviendra dans notre costume de déité avec toutes les vertus divines à l'intérieur. Donc, savoir où je vais et quand je vais revenir. Intérieurement, nous sommes vraiment, ça nous procure beaucoup de paix. Mais si je ne savais pas où je vais, où ce qui va arriver après, il y aurait de l'incertitude pour mon voyage futur. Ça créerait aussi beaucoup de peur. Mais maintenant, nous comprenons qu'il n'y a aucune peur parce que je sais. Aussitôt que je quitte, j'ai le costume de lumière, le costume angélique, et je vais à la maison, je prends un petit repos, c'est un repos complet. Le rôle est complètement immergé, et lorsque c'est le temps, je reviens dans ce monde physique avec toutes les vertus divines, la pureté, la paix. Le bonheur, tout est satogun. Même les éléments, il y a de la prospérité, de la richesse, et c'est cela que nous sommes en train de préparer. Quelquefois, nous disons au monde que nous devons aller à l'âge d'or. Les gens disent, oh oui, nous sommes très heureux, mais ils ne savent pas qu'ils doivent se préparer. On ne peut pas juste aller à l'âge d'or, même pour aller à la maison. En ce moment-ci, dans le monde entier, il y a tant de souffrances, tant de règlements. C'est la peur, c'est la violence, c'est la colère. C'est comme si vous pouvez voir les extrêmes. Mais ce que nous devons faire en conscience d'âme, en souvenir, se souvenir, la contemplation, et de savoir où je dois aller en partant d'ici. Et c'est vraiment pour moi, à l'intérieur d'une minute, je sais où je vais. C'est très réconfortant. Et cela rend mon pèlerinage très, très facile. Et bien sûr, nous nous préparons maintenant pour l'âge d'or. À l'âge d'or, il y a la pureté, la paix, toutes les vertus. Donc, en ce moment, nous sommes en train d'inculquer, de s'imprégner de toutes ces vertus. Nous nous préparons pour le début du cycle et c'est l'âge d'or et ma forme de déité, mon monde de déité. Gardez cela dans l'esprit tout le temps, dans votre esprit tout le temps. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, on va débuter notre pèlerinage et nous allons inviter nos deux anges. Bienvenue.
Le retour à la souveraineté de soi, l'histoire de l'immortalité. Chapitre 5, la création vivante de l'arbre du monde humain. Quelle belle image! Donc, découvrir la graine. Le chercheur dit, au début de ma leçon, le professeur me trouve dans un jardin assis sous un arbre énorme dont les longues branches s'étendent dans toutes les directions. Cet arbre particulier est un arbre banyan. Ses grandes branches ont fait descendre des racines filandreuses jusque dans le sol. Mais le tronc originel de l'arbre s'est décomposé et a disparu. Il me salue chaleureusement. Il est ravi de me trouver sous cet arbre car la leçon qu'il veut m'expliquer concerne en fait cette sorte d'arbre. Il s'assit sur le sol en face de moi et pointe l'arbre. Il explique qu'à l'heure actuelle, le monde humain est comme ce vaste arbre banyan sous lequel je suis assis. Ses branches sont vivantes, mais les racines et le tronc originel de l'arbre n'existent plus. Ils ont disparu il y a des milliers d'années. Maintenant, un nouvel arbre du monde doit être planté, car il n'y a jamais de période où il n'y a pas d'être humain sur la planète. Sur la Terre, il me dit qu'il est la graine de ce nouvel arbre. Tout comme la graine d'un arbre physique détient la connaissance du tronc, des branches, des feuilles, il détient la connaissance mystérieuse du tronc, des branches et des feuilles de la famille très diversifiée du monde humain. Et le professeur, je suis la graine de l'arbre du monde humain. Ma louange est chantée comme étant la vérité, l'être conscient et l'incarnation de la félicité. Je viens du monde incorporel, la maison dont nous avons parlé dans la dernière leçon. Je suis un point si minuscule et pourtant la connaissance complète de l'arbre est latente en moi, l'océan de connaissance. Cet arbre est un arbre vivant des âmes. Il n'y a qu'une seule graine, l'âme suprême. Il n'y a pas de fruits tels que des mangues qui poussent sur cet arbre. La graine d'un arbre qui donne des fruits se trouve sous lui dans la terre. Et l'arbre pousse à partir de cette graine. Si la graine d'une mangue était consciente, elle expliquerait qu'elle est la graine et que c'est ainsi que l'arbre émerge d'elle. Cependant, cette graine n'est pas consciente. Il n'y a qu'un seul arbre du monde humain et sa graine est consciente. La graine de cet arbre est en haut.
Dans cet arbre vivant, la graine, le Père, est en haut. Et l'arbre de l'humanité est en bas. L'arbre du monde humain est comme un arbre inversé. Le Père est la graine. Les êtres humains ne peuvent pas s'appeler la graine. La graine aurait sûrement quelque chose de nouveau, quelque chose que personne d'autre ne possède. La graine a certainement la pleine connaissance du début, du milieu et de la fin de l'arbre. Personne ne sait comment la création et le soutien de cet arbre ont lieu. Je possède toute la connaissance de la création, du soutien et du déclin de l'arbre entier. Demande à n'importe qui, comment l'arbre du monde émerge-t-il? Comment est-il soutenu? Quelle est sa durée de vie? Comment il croît et comment il dépérit? Personne ne serait capable d'expliquer aucune de ces choses. Maintenant que tu appartiens à la graine, tu es en mesure de comprendre l'arbre. Cet arbre entier est l'arbre de Dieu. La chose principale est que toutes les âmes sont frères. Le Père de toutes les âmes est celui dont tout le monde se souvient. Le nouvel arbre est créé par lui. Cette explication est essentielle. Imprègne la connaissance de la graine et de l'arbre dans ton intellect. Et le chercheur dit, c'est étonnant de comprendre que Dieu est la graine d'un arbre si vaste, d'âme vivante, et que toutes les âmes se souviennent de lui et sont soutenues directement par lui, la graine. Alors, Om Shanti, c'est Rita qui parle. J'aimerais inviter notre invitée. C'est Sœur Monica du Mexique, Mexico. Om Shanti. Alors, bienvenue. Monica, ce chapitre que nous sommes en train d'étudier pour les trois prochains jours sur l'arbre humain et que Baba est la graine ce soir. Alors, la question que nous avons à te demander, c'est comment est-ce que la description de Dieu en tant que graine vivante de l'arbre du monde humain, comment est-ce que ça t'a aidé à le connaître encore mieux? Knowledge, donc, depuis que j'ai eu la connaissance, cela ça m'a aidé à comprendre que Dieu est le Père de toutes les âmes. Parce qu'il y a tant de diversité dans le monde et je n'étais pas capable de voir la connexion entre chacun en tant que famille spirituelle. Alors, cette connaissance m'a donné l'expérience
de Dieu en tant que bienfaiteur, car en tant que graine, il nourrit tout l'arbre, les feuilles, le tronc, chaque feuille, il nourrit chaque feuille. Et j'ai beaucoup étudié cette partie aussi, son amour pour toutes les âmes. En tant que graine, il soutient tout l'arbre, l'arbre entier. Alors, merci, oui, c'est bien. Comment est-ce que tu... pourquoi penses-tu qu'il est important pour toutes les âmes d'avoir cette connaissance en tant que graine, d'avoir cette connaissance? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas cette connaissance. Pourquoi est-ce que tu penses que ce serait important de partager cette connaissance avec toutes les âmes? Monica répond, parce que cette connaissance me donne l'expérience. Ou m'a donné l'expérience que nous sommes une seule famille. Alors, je pense que c'est important que même si nous sommes si différents extérieurement, que l'âme puisse aller au-delà de ces différences externes et peuvent visualiser et expérimenter qu'elles sont toutes connectées avec la graine. Que toutes les âmes, toutes les feuilles dans l'arbre, il y a des feuilles qui sont plus proches de la graine et d'autres un peu plus éloignées, mais chaque feuille est connectée avec la graine, avec Baba. Et dans ce sens, la famille, en tant que famille, nous sommes tous frères. Et lorsque j'ai vu l'image de l'arbre, ça m'a fait ressentir j'ai eu beaucoup de respect pour chacun et j'ai appris à voir la beauté dans la diversité et aussi l'unité dans la diversité. Alors, je ressens que nous pouvons créer ce sentiment entre toutes les âmes, que nous sommes une seule famille, que nous avons un seul père. Je pense que c'est plus facile d'avoir ce sentiment d'amour et aussi d'avoir du respect pour chacun. Rita dit, c'est tellement bien dit, oui, cette image que chacun de nous, en tant que feuille, être faisant partie de la famille humaine mondiale. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir partagé ce soir et nous aurons le plaisir de te revoir demain, Om Shanti. Thank you so much, Monica. That was very beautiful. Ah, merci, Monica. C'est Julia. C'était très beau. Maintenant, nous allons avoir notre quête. Homework and for Amrita. Notre devoir, l'Amrit Vela. Petit matin, ce petit matin en or. Dans le silence du niveau de la graine, je me souviens de Baba comme la graine d'amour, de paix et de pureté. Dans le silence du niveau de la graine, je me souviens de Baba comme la graine d'amour, de paix et de pureté. Et lorsque nous voyageons à travers notre journée pour les trafics contrôle, moi, l'âme, je suis la graine et je me connecte à la graine de l'arbre vivant. Donc, moi, l'âme, je suis la graine, l'essence, et je me connecte à la graine de l'arbre vivant. Et le soir, notre réflexion du soir et notre bilan, l'arbre vivant est l'arbre de Dieu. Et toutes les âmes sont frères. En quoi est-ce que ce secret affecte ma façon de voir et d'interagir avec les autres âmes? En quoi est-ce que ce secret affecte ma façon de voir ma vie et d'interagir avec les autres âmes?
Donc, vous pouvez prendre 8 mots qui décrivent votre expérience de Dieu en tant que graine de l'arbre vivant ou illustrer un mot qui représente cette expérience. Merci, ça m'a fait plaisir. On vous revoit demain. Shanti, thank you very much. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous revient. Merci beaucoup. Merci à notre nouvelle invitée, Sœur Monica. Donc, avant que nous débutions notre voyage à Vierge, nous avons une invitation spéciale et j'aimerais vous la présenter d'une façon différente. Voyons voir. Surprise. Il est dit que quelqu'un ne devrait jamais oublier les jours de son enfance. Et c'est ces jours de mon enfance qui me permettent d'avancer et d'expérimenter la beauté de la vie brahmine. Alors, découvrons l'unique et spirituelle, l'histoire unique et spirituelle de deux étoiles spéciales du clan Brahmin, le frère Charlie Bay et le Ken Bay, brother Ken, qui vont être rejoints avec Mohini Didi. Alors, nous vous invitons à expérimenter les jours de notre enfance dimanche le 16 mai. Pour nous, ce sera de 4h à 5h30 en après-midi. Il y aura la traduction française, bien sûr. Om Shanti. Donc, c'est un événement spécial que nous vous présentons d'une belle façon. Alors, avisez tous les Brahmins, tout le monde est bienvenu sur le Zoom de Avyakti Parivar. So these are the timings, and I had been announcing every day, just to remind everyone. But also, we have the flyer in Spanish also. So I don't know Spanish, so I won't be able to. Ils ont aussi l'annonce en espagnol. Latin America, and you all can share this, and we have a translation available. So. All Brahmins are invited. Donc, il y aura la traduction dans plusieurs langues. Toutes les Brahmins sont les bienvenus. Alors, bienvenue maintenant à notre voyage Avyakti, le partage des âmes ancêtres de nos ancêtres, les pionniers du chemin. Les pionniers de notre vie brahmine. Alors, bienvenue à la porte des expériences. Doux enfants, profitez de ces belles histoires contées par nos ancêtres sur le yoga. प्यारे हैं वो दिन कितने प्यारे थे हम अपने alors si Ishu Dadiji quand je sortais de ma maison le kick je voyais Baba passer et je sentais qu'il avait une grande personnalité
une grande âme, qu'il y avait, il y avait une certaine... Papa Satmeta, Tokushiotiti. अलौकिक पालना देकर झुलाए en nous donnant du soutien à l'Okik, nous balancions ensemble. Ces jours étaient remplis de joie au-delà des sens. Nous ne pouvons jamais les oublier. Le parfum des fleurs émerge dans des livres de telle mémoire. Le parfum des fleurs est... lorsque nous rapprochons de toi, nous sommes fondus dans tes bras. Lorsque nous nous souvenons de toi, nous devenons perdus dans nos rêves. Belle chanson. Donc, avec Tiparivar, une famille d'anges.